Yo, salut à tous et bienvenue sur locan.jp. Je ne sais pas honnêtement comment vous faire cette vidéo, donc on va y aller simplement. Dans l'article de hier, je vous parlais de la sortie des nouveaux iPhones, enfin de l'annonce du moins des nouveaux iPhones, nouvel Apple Watch, Apple TV, etc. Et en fin de vidéo, je concluais en disant que c'était la première année où je n'achèterais pas d'iPhone. Mais parce que j'ai pas les moyens tout simplement. Donc pour ceux qui le savent, qui ont suivi un petit peu, etc. Je suis en cours de divorce, un divorce, une séparation, ça coûte cher, surtout quand il y a beaucoup de mauvaise foi en face. Et ben en fait, je peux pas changer d'iPhone et payer mon avocat et mon loyer et à manger, etc. J'ai même pas de fringues à ma taille, vous avez qu'à voir celle-là. Et donc, suite à cet article, dans les commentaires, il y a un mec qui arrive, un lecteur qui arrivait en disant pourquoi ne pas faire un don ou quelque chose comme ça pour si chacun donne 1 euro ou je sais pas quoi. Je me souviens plus très honnêtement, ça m'a vraiment perturbé, je suis vraiment pas à l'aise de faire cette vidéo en plus devant vous. Et l'idée était donc, et plusieurs personnes ont réagi en disant bon mais ça serait bien que Locan faisant du contenu, etc., qu'on se cotise tous pour lui permettre d'acheter un iPhone. Personnellement, je trouve ça absolument génial, c'est généreux, c'est tout ce que vous voulez, c'est. Je sais pas quoi te dire de plus. Mais j'ai du mal à être. C'est pour ça que je regarde à côté, alors que normalement les vidéos, j'ai quand même pas trop de mal à les faire. J'ai du mal à être la personne qui vous partage une cagnotte ou quoi que ce soit pour m'acheter un iPhone. C'est quand même le symbole même du matérialisme, l'iPhone. Et j'avais fait abstraction de ça cette année, je m'étais dit, bon, ben tant pis, j'aurai pas d'iPhone, etc. Ça me fait vraiment chier parce que c'est l'iPhone des 10 ans et que je l'attendais depuis un moment, etc. etc. Mais il y a une question de priorité, et au bout d'un moment, il vaut mieux manger que d'acheter des iPhones. J'ai aussi du mal à vous faire cette vidéo parce que il y a des trucs plus importants que ça dans la vie que Locan et un iPhone. Il sort fin octobre, début novembre. En novembre, il y a Movember, l'association, enfin la levée de fonds pour l'association qui lutte contre les cancers masculins, cancers colorectaux, etc. Chaque année, je fais une levée de fonds pour Movember, et ben voilà, en novembre, il y aura l'iPhone, et je vous demanderai également de faire une levée de fonds comme chaque année. Et chaque année, le site est parmi les 5 premiers sites français, enfin 5 premières teams françaises à lever des fonds. Bref, c'est pas le sujet, mais il y a des tornades et des tempêtes, etc., aux quatre coins du monde. Il y a nécessairement des trucs plus importants que d'acheter un iPhone à Locan, et c'est pour ça que j'ai un peu du mal à vous faire cette vidéo-là. Après, je la fais parce que Loïc a monté une cagnotte. Loïc, vous l'avez vu plusieurs fois sur le site, je vous en parle de temps en temps, etc. C'est quelqu'un que j'affectionne énormément. Et donc, a créé une cagnotte sur Litchi pour cet iPhone X. Encore une fois, j'ai du mal à l'énoncer. Et je vous fais juste cette vidéo pour vous dire que la cagnotte existe. Si vous voulez aller faire un don dessus en fonction de ce que vous pouvez, voulez, etc., c'est à vous de faire ce que vous voulez. Je peux pas vous dire, j'ai même pas envie de faire la personne qui vous rappelle, oui, ça fait 10 ans que je fais du contenu régulièrement, etc. C'est pas l'idée, c'est très matérialiste, c'est très égoïste, en l'occurrence aussi, de faire cette vidéo pour vous dire, hey, regardez, j'ai fait une cagnotte pour avoir un iPhone X. Voilà. Évidemment, ça serait vous mentir de vous dire que s'il y avait le montant recueilli me permettant d'acheter un iPhone, je serais pas heureux. C'est faux. Je serais l'homme le plus heureux du monde. Et depuis que j'ai vu ces commentaires, je la vois qui tremblote un petit peu et les yeux qui brillent. Parce que rien que l'idée, rien que quelqu'un ait suggéré ça tout seul, sans que moi j'en parle, sans même que je l'évoque, etc. J'ai juste dit, cette année, il n'y aura pas d'iPhone, et je m'étais fait à l'idée. Et rien que quelqu'un suggère ça, et puis que d'autres personnes surenchérissent derrière, rien que ça, c'est beau en fait, et ça me fait énormément plaisir. C'est super simple. Mais bon, voilà, je m'étais engagé auprès de Loïc à faire cette vidéo, donc la vidéo est là, la cagnotte existe. Vous faites ce que vous jugez bon de faire avec cette cagnotte. Le lien est dans l'article en dessous. J'ai pas fait de bandeau, rien du tout. J'ai juste mis le lien dans le texte. C'est à vous de voir. La cagnotte est ouverte, je crois, jusqu'au 15 octobre. Ce qui lui laisserait le temps après de recevoir l'argent et de me virer les sous. Et puis voilà. Et du coup, ça me permettrait de
bah, de pouvoir remplacer ça, de vendre mon iPhone actuel et de pouvoir payer mon avocat sans prendre un crédit sur je sais pas combien d'années pour juste payer un avocat pour une séparation. En fait, c'est juste catastrophique et ça me rend fou, ça, cette partie de là de ma vie. Bref, je souhaite à personne d'être dans la situation où je suis là, mais statistiquement, il y a quand même pas mal de chances qu'un jour vous vous y retrouviez. Pas forcément dans une séparation, mais dans une situation financière difficile. Voilà, je souhaite le meilleur à tout le monde. Faites. Je m'emmerde. Je m'en mêle, c'est catastrophique. Je suis nul sur cette vidéo. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.